De quoi? Non, en fait, on avait vu la figurine, on n'a pas compris pourquoi. J'ai passé où, Martin, dis donc? Interdit santé. Stationner avec un S. Chouette. Non non, ça c'est les studios de la tarte. Wow, mais c'est super beau. On a fait quelques achats, on fait quelques rénovations parce que le décor des anciens propriétaires c'est pas ouf. Ouais, je vois ça. Surtout là genre ça c'est à rénover aussi. Là il y aura sûrement la salle de montage. Ouais. La salle de tournage. Ouais. Ouais, on c'est... va tourner à deux en même temps pour, parce que c'est un peu petit. Et où est-ce qu'elle est la cuisine? Parce que c'est quand même le truc le plus important. Ah, c'est bien ce que je me disais. Salut mes tarés, c'est Luc de la Tare. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on est en campagne. En effet, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire un cache-cache grandeur nature. Mais je ne suis évidemment pas seul, je suis accompagné de Radar. Ouais. Oh merde, je me suis fait mal. Et de Matt. Oh putain. Alors comme ce cache-cache est quand même un petit peu grand, hein, on a décidé de se donner deux petites aides pour les chercheurs. Premièrement, toutes les dizaines de minutes, un indice sera drop sur un serveur Discord. Et deuxièmement, il y aura un partage de réseau, comme ça quand le chercheur se rapprochera de la cible, pourra voir sur son téléphone un réseau s'afficher avec le nom du cherché. Et on se retrouve tout de suite en found footage. Vous avez lancé? Oui, lancé. Et on dit bye bye Radar. Bye Radar. Bye bye. Bon allez, cassez-vous, bande de pute, je vais devoir attendre 10 minutes. Ah, je me suis fait super mal. J'ai trouvé une cachette ultra intéressante, moi. Allez, pas trop loin quand même. Ah, Matt, il déboule. Putain, t'as descendu ça pépère, toi, en courant. 10 minutes. Ça va être putain de long. J'ai pas envie. Putain. J'ai pas envie. T'es un génie, moi j'ai une position déjà. J'ai déjà une idée. Pas en train de courir en temps, là. Y'a un mur en... Y'a un mur, là. Y'a rien. Alors, il est encore là-bas. Peut-être qu'il a eu un point de vue sur nous. Ça va être une catastrophe. Non. J'ai fait 10 mètres, je suis déjà mort. Bon là ça va être bye bye Matt, je pense, hein. Bye bye it. En vrai, il y a deux poses ultra intéressantes là et là que je pourrais tester. Et les mal, ils sont partis depuis ça va faire bientôt 2 minutes 30. Je me fais chier, c'est mort. J'adore. C'est ce qui est dangereux. Et beaucoup trop greedy. Si je peux bouger ça. Non. Non, je suis pas assez greedy. C'est programmé. Ouais, il se planquait là-bas, je pense. C'est pas mal. Insectes partout, je déteste ça. Faut qu'on trouve une entrée. Faut la écraser. Hein. Je vais reprendre quand il restera genre 2 minutes. Il est parti à ma droite. Et là, du coup, je vais faire gaffe. Il y a peut-être une botte qui peut arriver de là-bas. Putain, il y a masse pollen. Ah, les orties. Ouh. Peut-être mieux fait de regarder ce panneau avant de me faire avant d'enseigner, il y a marqué zone piégée. Et nous on va juste se cacher. En gros, on peut tenter ce mec là. Plan qui vient. C'est greedy, mais je peux tenter. C'est bon, je me fais chier. C'est bon. Voici où je suis. Magnifique plan. Plus qu'à attendre. Bon, j'ai refermé la séance en attendant.
Voilà, ouais, il reste encore 2 secondes. Voilà. C'est l'heure. Voilà, globalement, ça devrait bien aller. Allez, let's go. Je sais qu'il y en a un qui va passer par là. Merde, il a lancé le cache-cache. Oh, il y a des marches. C'est fancy. Oh, j'ai failli coller. C'est fancy. Oh putain. C'est fancy tout ça. Twitch.tv/mat, ma chaîne Twitch. Là, on va devoir donner un indice à Radar pour qu'il nous cherche. Je me fais bouffer par les insectes horribles et les orties aussi. Ok, les gars, les 10 premières minutes viennent de passer. Du coup, j'envoie un indice. Oh, désolé. Hop, les premiers indices lancés près de là où nous sommes passés et je suis. Ok, je regarde si il y a quelqu'un devant toi. Il y a personne. Alors, l'indice de Matt, c'est près de là où nous sommes passés, c'est pas ouf. Donc, mise à route éclairée. Je suis en train de recevoir mes indices. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. J'espère qu'ils vont pas être trop compliqués. Parce que sinon, c'est des sales putes. Mettez-moi ce bon plan pour que je zoome, parce que c'est bon. Mettez-moi ce bon truc. Mon réseau est ouvert. J'entends quelqu'un qui se balade. Si Radar passe dans le coin, il devrait pouvoir voir. Près de là où nous sommes passés, je suis. Donc moi, je peux penser aux locaux de la TAR. Genre les nouveaux. Ils sont tous les deux partis dans cette direction. Donc à mon avis, ils sont partis dans les nouveaux locaux de la TAR. Donc là, je suis ici pour les moustiques. Donc là, le chemin exploré mène à la route éclairée. What the fuck? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est-à-dire, on va essayer d'appeler vite. Alors, qui va répondre ce con? On est passé à côté de ça, donc ça c'est ce qu'on appelle les locaux de la TAR. Du coup, là voilà ce que vous voyez là-bas. Moi je pensais aller voir par là-bas. Mais bon, je vais pas, y'a rien. Près de là où on est passé, c'est plus proche d'où on est passé. Y'a rien. Haut-parleur. Oui, allô? Oui, allô Matt? Allô Elite? C'est qui? Matt. Tu entends ces petits oiseaux? Oui, je les entends aussi, Elite. C'est incroyable, hein? C'est beau. Ma planque est tellement obvious que ça fait qu'elle est magnifique. Jamais il ne la trouvera. Ton indice, c'était quoi déjà? Près de là où nous sommes passés, je suis. C'est vraiment haché comme indice, mais comme c'est le premier, ça va. C'est le premier, c'est assez vague. C'est assez vague pour qu'ils comprennent pas. Toi, tu sais à peu près vers où je suis. Et oui, je t'ai vu passer. Merde, mon point d'accès wifi est désactivé. Merde, merci. Réactive-le, hein. J'ai entendu quelque chose. Je doute qu'il y ait quelqu'un, mais je vais aller voir. Ouais, mais non, moi ça va, j'ai un vu sur le chemin, lui n'a pas vu sur moi. Je me suis mis à un endroit où il pourrait pas me voir, mais que moi je peux le voir. Moi je vais pas donner d'indice sur ma pose, que tu deviens chasseur avec lui. Bah l'avantage c'est que je sais de vers quel côté t'es parti. Et après j'ai la carte, donc je saurai si tu es à peu près. Ouais, bon, allez, à plus, bisous. Bye, à dans 20 minutes. Je raccroche avant qu'il termine sa phrase. Donc là, il y a beaucoup de pommes. Près de là où nous sommes passés, je vais faire le chemin qu'on a fait à l'envers. Ça va peut-être m'aider. Je pense que je vais peut-être descendre en bas du chemin pour être à l'ombre. Il n'y a vraiment rien en fait. Aux alentours. Il n'y a toujours que dalle. Ça me donnerait bien si t'allais checker là-bas. Mais. Non. Je me suis pas trop enfoncé dans le bois au cas où qu'il puisse me trouver. J'ai déjà bu la moitié de ma bouteille d'eau, c'est pas ouf. Toujours en vadrouille. J'ai toujours rien. Il n'y a aucun réseau disponible. Je sais pas où ils sont. Donc je continue à marcher, on va voir ce que ça donne. Dans l'ombre, telle une mauvaise herbe, je m'épanouis. Au soleil, telle une fleur, je m'épanouis. Au soleil, telle une fleur, je m'épanouis. T'es bâtard. Bon. Lifebox. Quoi, une lifebox? C'est vraiment une lifebox. De lifebox. T'es une mauvaise heure, je m'épanouis. Au soleil, telle une fleur, je m'épanouis. Mais j'en viens. Ah, par contre, je promets. Hein. Au soleil, telle une fleur, je m'épanouis. Au soleil, il n'y a que des fleurs ici. On se fait attaquer par des putains de mouches. Ok, les gars. Je sais pas si vous voyez ça, mais il y a le réseau d'Eliott. Il y a son réseau qui vient d'apparaître. Je crois qu'il va être par là. Je vais checker si le réseau disparaît ou pas. Si je me rapproche, tant mieux.
Je suis en train de chercher où son réseau est le plus évolué, enfin le plus fort. Je vais regarder par là-bas. Mais j'ai vu que je perdais de la... je perds internet. Donc soit il bouge, soit je m'éloigne de son réseau. Merde, je l'ai vu où ? Ah là, regardez. On trouve de tout dans la forêt. J'arriverai à vous le pointer. Voilà, regardez ça. Putain de chaussures. Taille 42. Allô, radar ? Allô ? Tu m'entends ? Ah, bon, pas. Pas grave, tu cherches. T'en as un normalement dans... à 13, normalement, t'en as un nouveau qui va apparaître. Mais mes phrases sont logiques. Mes phrases sont ultra logiques. Là, ça va être le 3ème, le 4... À partir du 4ème, ça arrive d'être des indices un peu plus obvious, d'accord ? T'es en train d'essayer de chercher Elliot ? Ok, bon, je te laisse. Tu me retrouves, on se retrouve tout à l'heure si t'arrives à me trouver. Bye ! Allez, bye. Mais voilà. Je pense qu'il peut être là-bas. Là-bas. À mon avis, il doit l'être. C'est pas possible autrement. Dans un endroit calme, mais peuplé. Normalement, mon avis s'est envoyé. À côté de la plaine qui grandit vite. Il a établi son campement. Bon, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, hein, tant qu'on y est. Lâchez un petit like. Ok, je commence à avoir du réseau. Aucun signe de réveil. Elliot, t'es dans le coin. Je sais pas où t'es, mais t'es dans le coin. T'es clairement dans le coin. Oh. Ah non. Oh. Tiens, bizarre, quand je me rapproche d'ici, je capte ton réseau. Putain, c'était passé là, Elliot. Ah bah oui, il est passé là. Les orties sont pillées. Ah, où est-ce qu'elle est, la pute? Ça y est, j'ai trouvé. J'arrive. Je sais que t'es là, Elliot. Maintenant, on n'a plus qu'à savoir où. Ah, mais t'es là. Yes. Ah, il est là. Ton réseau. Mon réseau, yes. Ton réseau. Heureusement que t'as regardé le réseau, j'avais totalement zappé. Mec. Ah, c'est... Par contre, Mathieu, je l'ai pas croisé une seule fois. Mais ces indices, ils sont horribles. Hein. Je l'ai pas croisé une seule fois. Tu sais, la petite île à plaine. Mm. Donc je me suis dit, c'est sûrement les... C'est horrible parce que je me fais bouffer par les moustiques depuis tout à l'heure. Ouais, ben moi c'est les abeilles que j'ai fait me faire bouffer. Incroyable. Mais mec, le champ il est plein d'abeilles. Je pense que s'il me rappelle, c'est good. Ouais. Moi j'ai continué à donner des indices comme si de rien n'était. Vraiment, je descends, coup, je peux retirer mon réseau, je commence à avoir une barre. Ouais, je vais retirer mon réseau au cas où. Je vais aller là-bas. Ouais. Enfin, je vais aller là-bas. Ton réseau il a disparu. Tu sais, j'ai fait demi-tour, donc je suis passé comme ça. Et j'ai regardé ton réseau et j'ai fait, bah tiens, il commence à grossir. Puis je continue à aller par là. Ton réseau il a diminué d'une barre. Mec, en plus je te voyais là-bas, j'essayais de te filmer comme je pouvais. Ouais. Et quand t'es rentré, j'étais en mode ça y est, il m'a capté. Et puis à un moment t'avais, j'arrive. Je savais pas si tu m'avais vu ou pas. Non, non. Hein? Ton réseau il commence à reprendre une barre. Je fais, il est dans la forêt, c'est pas possible autrement. Je regarde les orties là-bas, ils étaient pliés. Ouais, j'avais tout pété. Ils étaient pliés comme jamais. Je me suis dit, il est forcément là-dedans. Petit. Je suis rentré. Allez, là. Je tourne la tête des deux côtés. Je vois une caméra là. Je fais. Il est là. Allez, let's go, on se fait observer Mathieu. Ah, faut pas perdre de temps là, ce bâtard je parie qu'il s'est bien caché. J'ai vu partir du côté de l'espèce de marais. Je vois pas. Tu sais l'espèce de grande porte à côté des nouveaux réseaux des nouveaux trucs de la tarte. Bon bah maintenant faut checker les réseaux. Faut que je balance un indice pour faire genre que j'ai pas été trouvé. Oh mon dieu. Celle ouverte aussi. Je gis. Pollen de ces mois. Voilà. Ça va être un indice. Tu sais que j'ai travaillé à fond mes indices parce que j'avais que ça qu'à foutre. Il était parti dans le truc genre parce que je voulais aller là aussi. On est tous les deux dirigés, on était l'un à côté de l'autre à se filmer. Ah. Allez, on y va. Et ce coup il m'a donné des indices en mode ouais, ma cassette elle est ultra obvious et tout. Je vais l'appeler. Allez, reprise avec Elite. Allô Matt. Allô Elite. En petite rétrospective. Tu t'es fait choper? Non, je l'ai vu passer. Il passait pour où? C'est incroyable. Il est passé, il m'a regardé, il est parti.
Le pire, c'est quand il est parti, j'ai lâché un putain de gros. C'est incroyable. Il est parti pour moi ou pas? Il est parti ouais dans ta direction, mais je sais pas s'il va aller vers toi. Parce que moi, là, le prochain indice, je vais quasiment flinguer ma position parce qu'il reste deux indices à donner. Mec, c'est horrible, je me fais bouffer par tous les moustiques, il y a du pollen partout, c'est l'horreur. Alors moi, je me suis toujours pas fait bouffer par les moustiques. Mec, j'ai shooté 3 moustiques depuis le début, c'est horrible. Ah, je sais, dans 3 minutes, nouvel indice pour ma part. Déjà 3 minutes? Bah, il est 33, c'est à 33 que je donne mon 5ème indice. Le mien, pollen ouais, de ses morts, je sais pas s'il va trouver parce que dans tous les bois, je crois qu'il y a du pollen. Bye. Ah, il a dit bye. J'avais compris, bye. Ok. Oh. Dans les environs de la source de Touchies. Squashies. Source. Marée. Squashies. Cheese. Je sais pas, toute chose, je vais dire. Oh putain, la glace. Un blockhouse. Un blockhouse. Je crois entendre Brader. Mathieu, t'es dans le coin. Allez, Mathieu. Il doit être par là. Il est pas par là. Et son réseau a disparu. Je crois qu'il y a un radar de l'autre côté. C'est l'enfer. Il y a trop de monde. Je suis sûr, il est de l'autre côté. Faut qu'on aille de l'autre côté. Ah ah ah. Trouvé. J'ai le dernier. Ouais. Voilà. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, on en refera d'autres avec plus de gens. N'hésitez pas à aller checker la chaîne Twitch de ce guignol là. Est-ce que tu veux promouvoir quelque chose? Une chaîne, un Twitter, un kebab, un Instagram? Alors par contre, je veux bien ramener. Et abonnez-vous à ce gars. Oui, abonnez-vous à la tarte. Et ben du coup, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Boy. On n'a pas oublié quelque chose? Attendez-moi, attendez ta mère, attendez-moi. Si, sans passer aussi con. Ils sont passés où ces enculés? Bah, maintenant que tu le dis. Oh putain, oh putain, oh putain. Non, non, non. Bon, si on a oublié, c'est que ça doit pas être important. Oh. Ouais, je suis d'accord. Allez, on rentre, on va se faire boire une petite bière.